Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer mon calendrier de l'Avent. C'est un carrousel. Alors qui vient du tuto de la colle plein mes doigts. Je tiens à la remercier du partage et puis de sa patience parce que c'est très compliqué à faire. Surtout que moi, j'ai mis 15 jours à le faire. Et sans machine, sans rien, j'ai fait tout à la main. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse profiter. Je vais vous expliquer. Voilà. Alors, j'ai trouvé des petites filles qui viennent de chaque champ. En fait, ce carrousel, mais je l'ai fait avec tous les papiers de chaque champ. Voilà. Alors, j'ai mis des petites boules. Des petits sapins. Alors pourquoi je vais l'appeler cocooning? Parce que je l'ai fait rose et puis j'ai mis un peu de la laine rose. Voilà. Et aussi j'ai fait un plateau tournant et j'ai acheté des pailles, mais les pailles de chatillon ne me plaisaient pas. Alors j'ai découpé des petites bandes. Je suis venue les entortiller et les coller comme ça, ils sont assortis au papier. Voilà. Alors, ici, j'ai fait des petites boîtes. Alors, ici, il y a des petites boîtes. Alors, les numéros ne viennent pas de chaque sion, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, c'est des petites boîtes avec un joli papier. Voilà. Et ici en bas, j'ai fait des plus grandes boîtes. Alors, vu que je n'avais pas assez de papier pour faire tout le tour, j'ai pris que du papier pour faire le devant. Voilà. Hop. Et vous avez pas vu tout, hein? Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer le toit. Alors, à l'intérieur, il y a une surprise. Ici, vous avez une petite languette. Vous soulevez. Ici, vous avez une boîte à explosion. C'est la dernière boîte pour le dernier jour de Noël. Et la surprise n'est pas finie. Voilà. Et ce joli papier là, il est vraiment joli. Là, il y a un peu de tout. Là, il y a de la cannelle. Ici, il y a des chamallows. Voilà. Et tout ça, je l'ai fait. Alors, il m'a pris 15 jours. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai tout fait à la main. Il n'y a pas de machine, il n'y a rien du tout. Tout à la main. Voilà. Et c'est mon premier et ça a été un de mes coups de cœur. Alors, je me pose une question. Est-ce que les sapins, je les laisse comme ça ou je les décore? Après, je me dis, dans la forêt, dans la campagne, ils ne sont pas décorés. Alors, pourquoi pas, je les laisserai comme ça. Voilà. Et aussi, sur le plafond, j'ai mis des lumières. Des lumières pour que ça fasse encore plus mignon. Voilà. Au revoir. Merci.